IMCB by Beauté Sélection en direct live, Porte de Versailles, Paris 2020, une année particulière. Vous savez que chaque année, c'est le rendez-vous de la profession, le MCB by Beauté Sélection. Cette année, eh bien, des paramètres nous empêchent de réaliser cette édition en public. Mais néanmoins, vous avez la chance de retrouver de grands rendez-vous, workshops, conférences, shows en direct depuis nos studios, soit à Paris, au Mans ou encore à Marseille. Après de cette belle prestation, c'est la jolie Ève qui nous accompagne dans des moments très forts. Oui, alors on peut rappeler, hier, on a eu Stéphane Amaru, Ludovic Génio, on a eu Morgan Hilgers aussi aujourd'hui, Raphaël Perrier, Eric Maurice, et beaucoup de conférences aussi sur le digital, sur les nouveaux comportements dus à la crise, du maquillage, de la coiffure homme, avec Guy Hercut et David Howard. On a reçu aussi le président de l'UNEC, oui, tout à fait, avec Christophe Doré. On a reçu aussi notre président de Standing Even, Christophe Gabreau, pour parler évidemment du futur. Et dans quelques instants, notre invité sera Guillaume Pasquier, en effet, qui va représenter un thème important aujourd'hui, c'est l'empreinte bancaire, la meilleure solution pour en finir avec les rendez-vous non honorés, et également avec la signature de Calendes. Donc c'est vous qui allez mener oui, la conférence. Oui, alors je vais en dire un petit peu plus sur Guillaume Pasquier. Donc c'est le cofondateur du logiciel gratuit tout en un Calendes, qui permet donc aux coiffeurs en fait de gérer toutes leurs activités au quotidien, du fichier client au stock, à l'encaissement et bien sûr à la prise de rendez-vous. Et en fait, donc il va revenir sur cette question de l'empreinte bancaire, qui, meilleure solution pour en finir avec les rendez-vous non honorés, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les no-show, et qui constituent une véritable perte sèche pour les salons de coiffure, et surtout en cette période où les rendez-vous en ligne explosent. Donc évidemment, les no-show et les rendez-vous non honorés explosent en parallèle. Et donc, il va nous parler de ça. Voilà. Juste auparavant, il y a un petit clin d'œil à Brunette, que vous connaissez bien. Voilà, Brunette, donc il y aura une petite vidéo. C'est le site d'information digitale que j'ai créé pour les professionnels de la coiffure. Donc, c'est un magazine digital, en fait, comme un magazine professionnel, plus sélectif dans l'approche, parce que je suis toute seule et que c'est mon regard sur la profession. Donc, en fait, j'essaye de mettre en avant tout ce qui est beau, positif, dynamique, une sélection d'événements, de profils, de coiffeurs, de talents, etc., les tendances aussi. Et l'idée, c'est d'informer les professionnels tout en valorisant la profession. Donc, je veux en faire une vitrine, en fait, pour valoriser un secteur qui n'est pas toujours très bien considéré. Et à mon échelle, avec ce site, l'idée, c'est d'informer tout en braquant un projecteur. On va tout résumer par voilà. Ce petit clip consacré à Brunette. C'est ça. Bonjour à tous, je suis Ève Laborderie. J'ai créé Brunette, mon magazine de coiffure digitale, sur brunette-coiffure.com. Je vous en dis plus tout de suite. Alors Brunette, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un magazine digital qui est destiné aux coiffeurs et à tous les passionnés de coiffure. Et l'objectif, c'est de vous informer. Je veux faire de Brunette un révélateur, un booster d'image pour la coiffure et vous y dévoiler ce que je trouve beau. Aujourd'hui, je souhaite informer les coiffeurs, mais aussi faire de Brunette une vitrine qui valorise la profession. Puisqu'on le sait, votre métier est souvent mal considéré, voire parfois carrément rabaissé. Pour réparer cette injustice, ce que je souhaite mettre en avant, c'est toute la beauté et la richesse du secteur. À travers ses tendances, ses talents, sa culture, et bien sûr aussi les événements, les initiatives individuelles ou collectives. Tout ce qui peut faire rayonner la coiffure, la faire grandir et mieux connaître, bousculer un peu les préjugés. Pour au final, faire rejaillir l'image d'un secteur puissant, créatif, ouvert sur le monde, la mode et l'art. Bref, je veux faire de Brunette un média pro accessible à tous, un magazine web engagé, au service d'une profession qui a tous les atouts pour garder la tête haute. C'est bon, merci beaucoup. Donc, on retrouve Guillaume Pasquier pour la conférence sur l'empreinte bancaire, la meilleure solution pour gérer les rendez-vous, pour en finir avec les rendez-vous non honorés. Effectivement, merci Ève pour cette introduction. Les rendez-vous non honorés, oui. L'empreinte bancaire, on va essayer de démontrer aujourd'hui que c'est la solution la plus viable pour les instituts de beauté, les salons de coiffure, pour en finir avec les rendez-vous non honorés. Alors, je vais d'abord commencer par une définition. Qu'est-ce qu'un rendez-vous non honoré? C'est un rendez-vous où le client ne vient pas sans prévenir. Ou alors, il vous prévient à la dernière minute et il vous reste très peu de temps pour remplacer ce rendez-vous.
Alors, que vous soyez coiffeur, barbier, institut de beauté, prothésiste angulaire, dermographe, spa ou professionnel du bien-être, vous êtes touché par les rendez-vous non honorés. C'est un véritable fléau, c'est vraiment le sujet d'actualité en ce moment sur la toile. Tout le monde en parle, tout le monde s'en plaint, la plupart des professionnels s'en plaignent et on va essayer de vous montrer qu'il existe une solution viable économiquement. Alors, pourquoi c'est un sujet brûlant en ce moment ? Il y a deux raisons. La première, c'est que, comme l'a dit Ève, les rendez-vous en ligne explosent. La plupart des logiciels du marché aujourd'hui le proposent et de plus en plus de coiffeurs, instituts, beauté se mettent au rendez-vous en ligne. Et en soi, c'est très bien. Et c'est une super nouvelle. Super nouvelle pour la profession, oui. Parce que c'est une vraie tendance chez les consommateurs. Ils veulent le faire. Donc c'est super. Par contre, c'est un biais. C'est qu'ils sont à un clic de votre salon. Ils prennent leur smartphone. Ils n'ont plus besoin de vous appeler ou de venir en salon. Il n'y a plus ce contact physique. Et du coup, bah, ils se permettent plus facilement de ne pas venir, malheureusement, à leur rendez-vous. Il y a une deuxième raison qui fait que les rendez-vous non honorés explosent. C'est malheureusement cette pandémie du Covid qui crée un climat anxiogène chez le consommateur. Il est bombardé de news quotidiennes sur le sujet. Et vous ne savez pas pourquoi, mais tout d'un coup, il va prendre peur et ne va pas venir à son rendez-vous. Donc ça explose. On sent bien que c'est un sujet brûlant chez les salons de coiffure et de beauté. Là, il y a un témoignage d'une de nos clientes. En une semaine, plus de 100 euros perdus, des rendez-vous refusés et surtout, aucune excuse de la part des clients. Et ça, c'est terrible parce que il y a non seulement la perte sèche, la perte financière pour vous, mais en plus, psychologiquement, c'est terrible parce que vous vous levez le matin, vous allez au boulot, vous avez un carnet de rendez-vous avec 10 rendez-vous pris, et puis vous allez finir votre journée avec 3-4 rendez-vous non honorés. Ça, c'est vraiment terrible pour vous. Vous devez vous respecter, vous devez prendre en main le sujet, et on va voir les solutions qui s'offrent à vous aujourd'hui sur le marché. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Nous, nos statistiques montrent qu'on a un minimum de 400 euros perdus par mois pour un salon de 2 personnes. Et c'est bien un minimum. On a des salons aujourd'hui, ils sont à 1 000, 1 500 euros par mois de rendez-vous non honorés. C'est énorme. Vous devez réagir. Vous devez faire quelque chose par rapport à ça. Même si vous êtes réticent, par exemple, à faire du prépaiement, il y a un moment, il va falloir se respecter parce que votre métier, vous prenez beaucoup de temps à le faire, beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est vraiment important de ne pas se dévaloriser. Alors, oui, juste par là. Hop. Voilà. Alors, il y a des solutions simples, très simples, pour diminuer cette perte. C'est un premier pas. Ça ne veut pas dire que vous allez résoudre la problématique des rendez-vous non honorés, mais c'est une première base. Alors, une solution simple, c'est le rappel de rendez-vous par SMS que va recevoir votre client la veille de son rendez-vous. Ça permet à certains de vos clients de ne pas oublier leur rendez-vous. Et ça, déjà, ça permet de diminuer la perte. Une deuxième solution, c'est d'avoir un outil, la plupart des logiciels le permettent aujourd'hui, pour tracer les gens qui ne viennent pas à leur rendez-vous. Vous allez voir sur la fiche du client que le client n'est pas venu de telle date. Quand il reprend rendez-vous avec vous, vous pouvez lui signaler. Et si ça se reproduit un peu trop souvent, vous pouvez carrément blacklister ce client. Les logiciels le permettent aujourd'hui. Enfin, une troisième solution assez simple à mettre en œuvre, c'est la liste d'attente. Voilà, si vous pouvez mettre en attente certains clients, ils peuvent être alertés si tout d'un coup il y a un créneau qui se libère quelques heures avant le début du rendez-vous. Vous pouvez envoyer un message automatiquement à ces clients et retrouver quelqu'un, remplacer le créneau. Ça, c'est des solutions assez simples qui ne coûtent pas très cher et qui permettent de diminuer la perte. Mais ça ne résoudra pas le problème des rendez-vous non honorés dans sa globalité. Ça ne règle pas la question.
ça règle pas toute la question. Oui. Ouais. La seule solution pour en finir avec ces rendez-vous non honorés, c'est le prépaiement. C'est la seule solution, c'est-à-dire le fait que votre client finalement va rentrer sa carte bleue pour sécuriser le rendez-vous. Et en ligne ou au salon, il va, pour sécuriser, donner sa carte bleue. C'est des pratiques qui sont communément admises quand on va dans un hôtel. On laisse l'empreinte bancaire avant de payer. Ah, tout à fait. L'empreinte, on va en parler après. Mais oui, ça c'est classique dans les hôtels, c'est classique chez les loueurs de véhicules. Il y a plein de secteurs dans lesquels l'acompte ou l'empreinte bancaire se pratique. Et donc, par contre, la vraie question qu'il faut se poser vis-à-vis du prépaiement, c'est quelle forme ça doit prendre et à quel coût. À quel coût vous allez faire l'acompte. Si on prend la solution 1 qui est ici, en fait, il y a trois coûts en fait, qui ne sont pas négligeables et bien à prendre en compte. Le premier, c'est que pour proposer l'acompte, il va falloir d'abord s'abonner à un logiciel qui le propose. Tous les logiciels ne le font pas. Certains proposent cette fonction si vous prenez un abonnement chez eux. Ce qu'on voit sur le marché, c'est que c'est à peu près 90 euros par mois. Après, vous avez les frais bancaires. C'est-à-dire que quand le client va rentrer sa carte pour sécuriser le rendez-vous et mettre son acompte, voilà, je vous prends 30% du montant de la prestation, par exemple, il y a des frais bancaires, il y a débit, transaction bancaire, ça veut dire qu'il y a des frais. Ces frais, ils sont de l'ordre de 2%. Et donc, si on prend un salon avec deux collaborateurs, 5 à 10 rendez-vous par jour, 30% d'acompte et un panier moyen de 40 euros, par exemple, on arrive rapidement à des frais bancaires qui s'élèvent à 120 euros. Donc là, vous avez fait 90 euros d'abonnement, 120 euros de frais bancaires, si vous pratiquez l'acompte, et en plus, vous avez un coût qui est invisible, que vous ne voyez pas. C'est le client qui est réticent à mettre sa carte bleue et qui ne veut pas payer en avance son service. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de payer son restaurant et avant d'avoir eu l'entrée. C'est ça, exactement. Et vous êtes sûr que dans le lot, vous allez avoir des clients qui sont réticents à cette idée-là. Ils ont l'impression qu'on leur force un peu la main. Exactement. Et donc, si on prend la centaine de rendez-vous pour un salon toujours pareil, avec les mêmes hypothèses de collaborateurs, nous, on estime qu'il y a à peu près 2% des clients qui ne seront réticents à cette idée-là. Ça représente donc un montant de 240 euros par mois. Et donc, si vous faites la somme de tous ces coûts pour la solution numéro 1, l'acompte, ben finalement, vous êtes à une opération nulle. Parce que vous gagnez effectivement les 400 euros, la perte des 400, vous la gagnez. Vos clients vont venir au rendez-vous. Mais par contre, vous avez tous ces coûts. Opération quasi nulle. Contrairement à la solution numéro 2, l'empreinte bancaire, qui elle, est, on va voir, elle a un bénéfice net tout de suite. Qu'est-ce que c'est que l'empreinte? C'est quoi la différence entre l'acompte et l'empreinte? L'empreinte, le client laisse sa carte, mais il n'est pas débité. S'il vient à son rendez-vous, l'empreinte disparaît, vous encaissez avec vos propres moyens de paiement, espèces, chèques, etc. Si le client ne vient pas, là, vous pouvez débiter la carte du client. Pour reprendre l'exemple, les loueurs de véhicules fonctionnent comme ça. Les loueurs de véhicules, quand vous allez louer un véhicule, vous donnez votre carte, ils vont prendre une empreinte dessus. Si vous rendez le véhicule en l'état, pas de souci, l'empreinte disparaît. Si vous rendez le véhicule endommagé, ils vont vous prendre une partie de cette empreinte. Et donc là, c'est pareil. Et quand on regarde les coûts liés à l'empreinte, finalement, il n'y a que la ligne abonnement du logiciel, en fait. Aujourd'hui, certains logiciels proposent cette option pour 20 euros par mois. Et puis, vous n'avez pas de frais bancaires, et c'est là la magie. Parce que tant qu'il n'y a pas débit, il n'y a pas de frais bancaires. Il y a frais bancaires que s'il y a débit, c'est-à-dire que si vous utilisez l'empreinte parce que le client n'est pas venu. Mais c'est là le cercle vertueux, c'est que comme vous prenez l'empreinte, le client va venir à son rendez-vous. Nous, c'est ce qu'on observe dans nos chiffres. Le client vient. Donc, il n'y a pas de frais bancaires, vous ça la reprenez. Ça le fait venir plus. Il se sent plus engagé, en fait. Il se sent engagé.
Ça rejoint une question que je voulais poser. Il n'y a pas de réticence, comme on a noté une réticence peut-être de certains à laisser un acompte. Donc, il n'y a pas une réticence à laisser l'empreinte bancaire quand même, du style, voilà, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Oui, alors ça, vous pouvez rassurer votre client sur le fait que c'est une garantie en cas de non-présentation. Contrairement à l'acompte, vous entamez sa capacité à dépenser autre chose, puisqu'il a c'est un débit. Là, à l'empreinte, il n'y a pas de débit. Donc, vous rassurez votre client en lui disant, ne vous inquiétez pas, moi, ce n'est pas un débit, c'est que si vous ne venez pas. Donc, si le client lui-même hésitait à venir, il se dit, bon, bah, si j'hésite vraiment, je ne vais peut-être pas laisser mon empreinte bancaire, je ne vais peut-être pas prendre mon rendez-vous parce que je ne suis pas sûre de l'honorer. Oui, bien sûr, mais si vous voulez un rendez-vous, c'est parce que aussi vous avez un besoin. Oui, non, mais dans ce cas-là, le client hésitant, il va trancher en amont, ce que je veux dire par là. Ah oui, oui, tout à fait. Il va trancher en amont, bon, je laisse mon empreinte bancaire, mais dans ce cas-là, j'irai, ou bien je ne suis vraiment pas sûre d'y aller, mais bon, dans ce cas-là, je laisse pas mon empreinte bancaire. Exactement. Du coup, le problème sera tranché en amont. Exactement. Et du coup, pareil, par rapport à ce que vient de dire Eve, il y a beaucoup moins de pertes de clientèle. Donc, vous avez un bénéfice qui est tout de suite visible pour vous, salon de coiffure et salon de beauté. L'empreinte, contrairement à l'acompte, c'est la seule solution viable parce que vous avez un gain qui est immédiat. Alors, je préparais une petite vidéo qui illustre cette empreinte bancaire. Merci Loïc. On peut baisser le son un tout petit peu si c'est possible. Ah, super, génial, merci. Donc là, c'est l'exemple d'un rendez-vous qui est pris en salon. Vous êtes sur votre planning, mais vous êtes au téléphone avec votre client. Vous prenez le rendez-vous en indiquant, par exemple, ici, couleur coupe coiffage. Vous allez saisir le nom de votre client pour prendre le rendez-vous. Une fois que ces deux informations sont saisies, alors arrive ici un bloc prépaiement. Et vous avez un bouton « Demander le prépaiement ». Vous avez juste à cliquer sur ce bouton, vous faites « Enregistrer » et votre client va recevoir un message par mail ou SMS. Le rendez-vous est à l'état assuré, ça veut dire que il y a un prépaiement qui est demandé. Ce n'est pas encore fait. Le client reçoit dans sa boîte mail ou par SMS le message. Il n'a plus qu'à faire finaliser la réservation. Et là, il arrive sur une page qui lui résume son rendez-vous. Il n'a plus qu'à saisir sa carte bleue. On lui indique que ce n'est qu'une empreinte bancaire, une garantie en cas de non-présentation. Une fois validé, le rendez-vous va passer à l'état normal dans votre agenda. Vous pouvez cliquer sur le rendez-vous et voir qu'en fait, ce rendez-vous, il est sécurisé, un montant verrouillé de 63. Ce n'est pas un débit. Et là, il y a deux cas. Si le client ne vient pas, ben vous avez un bouton « Utiliser l'empreinte ». Vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce bouton et vous pouvez aller jusqu'à hauteur de l'empreinte. Vous pouvez mettre moins si le client est de bonne foi, par exemple. Deuxième cas de figure, le client vient à son rendez-vous. Alors là, vous encaissez avec vos propres moyens de paiement, comme on l'a dit, espèces, chèques, etc. Vous pouvez rajouter des services complémentaires, des produits complémentaires et encaisser. Et le débit en cas de non-présentation du client, c'est le coiffeur qui le choisit, enfin le patron de l'institut du salon. Oui, c'est ça, comme on a vu, là, il dit... Mais il peut moduler selon le cas. Exactement. D'accord. Exactement. Merci Loïc. Et on va reprendre sur la présentation. Alors, il y a des usages, des expériences clients qu'on peut optimiser grâce à Calendes. C'est que cette empreinte bancaire, vous pouvez le personnaliser en fonction de votre client. Vous pouvez très bien dire, moi, les clients fidèles, j'enlève l'empreinte. Donc, quand le client va se connecter en ligne ou prendre un rendez-vous en salon, il n'y aura pas l'empreinte. Par contre, pour les nouveaux clients, je souhaite mettre une empreinte bancaire. Je souhaite confirmer ce rendez-vous, je souhaite engager mon client, mon nouveau client, mon prospect. Il y a la possibilité de faire des relances automatiques. Comme on l'a vu, quand on pose le rendez-vous sur l'agenda, eh bien, il va falloir des relances parce que le client peut ne pas rentrer sa carte tout de suite. Donc, vous pouvez le faire de manière automatique avec Calendes. Et puis, vous pouvez supprimer automatiquement le rendez-vous sans que vous n'ayez rien à faire si le client n'a pas rentré sa carte bleue avant un certain délai que vous définissez vous-même dans Calendes. D'accord. Et alors ça, après, c'est le nec plus ultra. On a certains clients qui le font chez nous. C'est-à-dire que
même si le client vient, ils utilisent l'empreinte bancaire. Ils l'utilisent et du coup... Ils n'ont pas d'acompte, ils n'ont pas de frais. Alors, si, là ils ont des frais, ouais. Mais ils le font exprès. Ouais. Pourquoi ils le font? C'est qu'en fait, il y a un truc qui est génial, c'est que vous pouvez faire votre massage, votre coupe, les ongles, voilà. Et vous dites au revoir à votre client. Il n'y a pas eu du tout d'évocation de... De carte bleue, de passage à la caisse. On enlève cette friction, cette dernière friction, vous savez, qui vous embarrasse tant. Voilà, le client ne passe plus par la case caisse. Et en fait, on lui dit au revoir, puis après on retourne devant sa tablette, son ordinateur ou son smartphone, et on valide l'empreinte et le client a payé. Et ça, c'est plutôt magique. Il n'y en a que certains qui le font. D'accord. Voilà. Et j'ai une petite question sur le chat. En cas de litige ou non-présence inhabituelle ou même exceptionnelle, urgence, embouteillage, comment gérer ça avec le client? Et justement, si le client est de bonne foi, vous avez compris que vous pouviez... Disais, voilà, vous ne mettez pas, vous n'utilisez pas l'empreinte bancaire. Donc ça devient... c'est vous qui avez le pouvoir, en fait. C'est le coiffeur qui a la main, en fait. C'est le coiffeur qui a la main, le coiffeur ou l'institut. Il peut décider que c'était une sécurité, mais que là, c'est vraiment un cas spécial. Exactement, ça arrive. Donc pas de souci, hein, vous pouvez le faire et vous avez la main pour le faire. Alors voilà quelques retours d'expérience. On a à peu près, sur nos 6000 clients, 1000 pros qui utilisent l'empreinte. Depuis un an et demi, qu'on a commencé ce nouveau service il y a un an et demi à peu près. Ils en sont complètement fans. Là, on a un petit témoignage de Roxane. Si on arrive à le passer, c'est super. Roxane de Beauties Institute qui nous a fait un témoignage audio. Merci Loïc, super. Alors, Roxane, elle dit quoi? Bon, je vais faire le témoignage. Ah, on ne bouge pas. Bon, alors, je vais parler des autres témoignages. Il y avait le témoignage de Stéphanie, qui est intéressant, en Glory, qui nous dit qu'on a changé sa vie, tout simplement parce qu'elle arrivait au travail avec la peur au ventre. Elle savait qu'elle avait son agenda plein. Et avant l'empreinte, ça lui est arrivé d'avoir 4-5 rendez-vous non honorés. Elle venait pour rien. Et du coup, là, aujourd'hui, elle est complètement sereine quand elle arrive à son institut. Et un autre témoignage de Paul, qui était un barbier, qui explique qu'il faut protéger son activité, parce que la perte peut être abyssale. Et qu'en fait, les clients comprennent très bien, avec tout le mal que vous donnez, pour les satisfaire, ils comprennent très bien cette empreinte bancaire. Et depuis qu'il l'a mise en place, il n'a plus de rendez-vous non honoré. Je ne sais pas si on peut avoir le témoignage. C'est pas grave. Je vais parler pour elle si c'est. L'empreinte bancaire. Bon. L'empreinte bancaire, pourquoi ça marche? Moi aussi, comme vous, j'étais super sceptique. Sauf que j'en avais marre, vraiment, vraiment marre d'essuyer autant de rendez-vous non honorés tous les mois. Au mois de janvier 2019, je me souviens que j'en ai pour 680 € sur 3 semaines de travail. C'est juste pas possible. On est là pour faire tourner des entreprises, on est là pour gagner notre vie. On n'est pas là pour attendre des clients qui ne viennent pas et qui s'en moquent, qui ne préviennent même pas le fait qu'elles ont un empêchement ou qu'elles ont changé d'avis tout simplement. Depuis que j'ai mis l'empreinte bancaire, alors la prise de rendez-vous, elles viennent. Ou alors, elles ont au moins la décence de m'appeler pour annuler, pour décommander leur rendez-vous et laisser la place de libre à quelqu'un d'autre. Merci Roxane pour le témoignage. Mais voilà, je crois qu'on a à peu près terminé. J'espère qu'on vous aura convaincu. C'est une vraie solution. C'est un sujet tellement brûlant. Prenez-le en main. Vous avez vraiment des logiciels aujourd'hui sur le marché qui permettent de le faire. Oui, ça a l'air imparable comme logique, en fait. Est-ce que c'est parce que les clients ou clientes ne réalisent pas est-ce qu'il faut vraiment agiter cette
perspective de petites sanctions là, avec l'empreinte bancaire, ils ne réalisent pas parce que eux, quand ils, c'est pareil, quand c'est eux qui sont touchés, ils réalisent. Mmh. Alors ça, oui, c'est la psychologie humaine. Ah ouais, ça, c'est, il peut y avoir 10 000 raisons pour lesquelles un client ne vient pas à son rendez-vous. Il a un empêchement de dernière minute, on l'a vu avec la question. Il peut y avoir tout simplement, il y a un copain qui arrive, je vais prendre l'apéro. Si je ne suis pas engagé, et avec ces rendez-vous en ligne, on a de plus en plus tendance à oublier ces rendez-vous ou à s'en foutre. D'accord. Bon, c'est un petit peu la tendance globale de la société de relâcher un peu sur tout ça, quoi. Tout à fait. Ok, bon, alors là, c'est au moins une perspective de solution. Merci beaucoup, Guillaume. Merci.